Bonjour le tu... Ah oui, non, YouTube, tu es là cette fois-ci. C'est vrai que nous changeons comme ça de vision, mais pourtant nous sommes toujours là, ensemble. Bonjour YouTube, bienvenue sur cette rediffusion de Mario plus Lapin Crétin Kingdom Battle. Voilà. Eh bien écoutez, posez-vous pour ce fameux Mario et Lapin Crétin Kingdom Battle. Alors évidemment, je rappelle que nous capturons directement au travers de la Switch et au travers du boîtier d'acquisition. Et donc c'est pour ça qu'il y a un petit effet flouté sur la capture et que ce n'est pas hyper net au niveau de l'image parce que et ben sur les captures Switch et Wii U, le boîtier ne veut pas. Voilà, des bisous. Allez, c'est parti, on va lancer tout ça. Alors je vais continuer ma partie. J'étais au monde, bah, comme vous voyez, 1-4. Et en fait, ce monde-là va faire intervenir un personnage que je voulais, en fait, avoir. Nintendo vient de lâcher le premier trailer de No More Heroes 3. Non, t'es sérieux? Ah merde! Ah marde! Ah marde, on a loupé un truc, là! Ah bah, dis donc, alors! Bon, bah, on ira vers ça après. Ah oui, c'est vrai que je reviens ici. Alors, j'ai juste essayé de bien, voilà, de bien reconfigurer comme ça. Ouais, sinon, la petite bande noire juste ici. Voilà, comme ça, il n'y a plus de bande noire. Voilà. Alors, oui, c'est vrai qu'on retourne ici, donc il faut refaire le chemin. Donc, nous sommes dans le petit hub du jeu, où on va pouvoir en fait aller de monde en monde. Et on va aller d'abord dans le premier monde, on va essayer quand même de le terminer. Donc, oui, je vous disais, en fait, je me suis arrêté à cet endroit-là. Pourquoi? Parce que ça va faire intervenir en fait un personnage que j'aime bien, et je sais déjà que je vais changer de personnage juste après. Ce Mario est sorti aujourd'hui, putain, je suis tellement la ramasse niveau date de sortie. Bah, c'était hier ou aujourd'hui, je sais plus exactement. Mais bref, oui, c'est tout récemment. Premier lancement que j'ai eu, erreur interne de la Switch. Kingdom Battle! C'est ça. On peut se voir ça en fin de live sinon. Ouais, non, il n'y a pas de souci, tu me diras. Tu me diras ça. Oui, j'ai vu pour Agent. Je suis pas plus étonné que ça parce que je m'y attendais. Alors, regardez ce qui va se passer. Donc on entend quelqu'un qui crie Mario! Mario Lu! Donc ça veut dire qu'il y a certainement notre cher petit Luigi qui est quelque part. Mais avant toute chose, nous allons essayer de battre les ennemis. Cette fois, nous sommes sur un terrain surélevé par rapport à nos ennemis. Savez-vous que vous gagnez un bonus de dégâts quand vous attaquez d'au-dessus? Bah non, mais maintenant je le sais. Tirez sur un ennemi depuis cette position avantageuse, voyez par vous-même. Alors, ce qui est bien, c'est que vous pouvez donc vous préparer au combat. Vous pouvez voir en fait un petit peu le degré de mobilité. Et bonsoir, Bridelight. Donc de votre ennemi, ce qu'il peut faire, ses points de vie, ce qu'il est capable de faire comme dégâts, etc. etc. Donc après, c'est à vous de voir et aussi même d'anticiper. Et puis dès que vous avez regardé ça, eh bien vous pouvez lancer le mode bataille et c'est parti. Alors, mon petit Mario, peut-être déjà aller par là directement. Et peut-être ici. Ouais. Il va pouvoir se protéger là. Et en se protégeant par ici, logiquement, il va pouvoir viser ceux qui sont sur la gauche. Parfait. Donc là, vous voyez, comme on est un petit peu sur le côté, bah en fait, c'est simple. On est un peu sur le côté. Donc du coup, on peut viser et toucher à 100% les ennemis. Donc ça va dépendre évidemment de votre couverture, de là où vous êtes et dans le coin où vous êtes. C'est quand même bizarre de se dire que c'est le moteur de The Division. C'est vrai. Yeah! Oh, un petit peu de dégâts, ouais, en effet. Je vais peut-être déclencher mon regard héroïque, ouais. Je vais le déclencher tout de suite. Ah! Déclenche-le! Voilà. Donc là, en fait, le regard héroïque va permettre tout simplement de pouvoir. Là, je peux pas faire grand-chose, par contre. Je vais me mettre comme ça. Vous permet, en fait, lorsque un ennemi bougera, eh bien, Mario va attaquer. Voilà. Alors, il peut bouger que lui. Ah bon, on va tirer sur lui. Pif! Alors, non, on va changer avec elle. Donc, petit truc sympa, je peux rebondir sur mon petit lapin crétin qui est dégueulasse. Et du coup, je peux faire en sorte de rebondir juste là, par exemple. Donc, c'est ce qu'on va faire, que ce soit là ou là où on est bon. De toute façon, donc, on va faire ça. Et boum! Donc, ça, c'est pas mal. Ça va vraiment vous servir. Hein. Et là, on peut le tuer. Bim! Dans sa gueule. Allez, autour de l'ennemi maintenant. U-Block marche chez WAM.
Moi j'ai eu des problèmes par rapport à ça, ouais, uBlock désactivé à cause du changement de module, ouais, j'ai eu pareil, j'ai eu la même chose. Donc du coup je suis repassé sur AdBlockU. Ah merde, putain, il est là. Ouais, donc là il va me viser à 100%. Ah, bien joué. L'IA est intéressante, hein, franchement, là vous voyez ce qu'ils sont en train de faire, non, non, elle joue bien. L'intelligence artificielle, franchement, j'ai été moi-même le premier étonné, il joue vraiment vraiment bien. 50-50. Ah, il m'a visé quand même. Enfin, il m'a tué. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un en bas? Il reste quelqu'un en bas, mais le problème, c'est que ça sert pas à grand-chose. Est-ce que... Si je repasse par là... Ah, je peux pas l'avoir. Parce que j'aurais voulu lui rebondir dessus. Après, je peux rebondir sur Mario et, passer là en dessous. Hein. Mais est-ce que ça a vraiment un intérêt? Je crois pas. Qu'est-ce qui serait le mieux à faire? Si je fais ça, est-ce que je peux lui retomber dessus? Non, évidemment. Bah, je vais essayer de l'avoir, lui. On va faire comme ça. Concernant Mario Bros 3, il est co-développé par les devs de Hotline Miami aussi. C'est pas mal! C'est pas mal. Il y a pire comme... Il y a pire comme... comme développeur. Alors là, je peux le toucher, je peux ensuite rebondir sur Mademoiselle et repasser par ici. Qu'est-ce qui est le mieux? Ouais, de toute façon, ouais, je vais me mettre ici. Parce que de toute façon, après, eux, ils pourront m'avoir de là où ils sont. Donc je prends le risque de me mettre ici. Non, pas du tout, Hotbox est désormais plus ou moins mis sous pression à cause de grandes entreprises, laissant passer des pubs que tu ne voudrais pas. Alors, est-ce que je vais pouvoir l'avoir? Oh putain. Avec un peu de chance, peut-être je vais l'avoir. Allez, vas-y. Yeah! Nickel, c'était exactement ce que je voulais faire. Bon, c'est de la chance, hein. C'était 50-50, donc forcément, il y a de la chance. Bon, bah c'est bon... Ah, Mario, c'est vrai que je l'ai pas utilisé. Ah, bah là, ça va être intéressant, là, du coup, parce que là, on va faire... Bim! On va pouvoir, peut-être, à la limite, c'est repartir par là. Boum! Ça, c'est pas mal. Ah, ouais, mais je peux pas... Ah, qu'est-ce que je pourrais faire? Ah oui, rebondir sur lui et me mettre ici. Beau gosse! Putain, ouais, il y a moyen de faire ça. On va faire ça. Bim! Et là, pouf! On repart, on s'enfuit comme des lâches. Donc vous voyez, c'est quand même bien foutu, honnêtement. Je trouve que le principe est vraiment hyper intéressant. Parce que ça paraît con, mais voilà, tu sens que le gameplay est vraiment travaillé à ce niveau-là. Ah ouais, il peut quand même viser Princess Beach. C'est vraiment génial ce système, mais vraiment mieux foutu que je croyais. Et encore, c'est parce que là, on est au début. Hein. C'est parce que là, tu vois, on est qu'au début. Et je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin. Hein. Parce que j'ai pas encore tout débloqué au niveau des capacités. Alors, bim, on lui fait un coup. Je ne peux pas repartir, forcément. Alors là, du coup, bah, on va se cacher ici. Voilà. Donc, regardez ce qu'on fait. On lui fait un coup en passant. Bim, on vient se mettre là. Et donc, du coup, je peux... attaquer si je veux, s'il était encore là, évidemment. Mais là, je pense que je peux... Eh oui, je peux attaquer celui d'en bas. Parfait. Tout va bien. Pour l'instant, tout se passe comme prévu. Alors, Mario, est-ce qu'il peut l'avoir de là? Non. Princess Beach. Enfin... Princess Lapin Beach. Peut-être moyen que je me mette ici. Ah, c'est toujours 50. Ouais, toujours 50. Mais avec un peu de chance, Mario, il peut aller jusque où? Je vais regarder jusqu'où peut aller Mario. Il peut aller jusque là. Donc, ce qu'on va faire, on va placer Princess Beach ici. On va essayer évidemment de viser lui, une chance sur deux. Forcément, c'est le décor. Et avec Mario, on rebondit. On va essayer de se mettre là. Ah, je peux pas. Sinon, je suis ici et je suis visible. Bon, bah dommage. Je pensais que c'était possible, mais ça ne sera pas possible. Puis je peux pas passer par là. Ouais, je peux pas passer par là. Ah, c'est un petit peu dommage.
Bon, on va se mettre là. Tant pis. Hop. L'OST de ce jeu composé par Grand Kirkhope, exactement. Ce jeu, c'est un mélange improbable entre deux univers, un type de jeu complètement improbable pour ce type de crossover, exactement. Et je pense que c'est ça aussi qui fait toute sa différence. Parce que réellement, ça marche bien. L'approche XCOM semble intéressante, mais je suis pas certain que ça parlera aux plus jeunes. Les plus jeunes, ça risque clairement, je pense, de les emmerder. Je pense que ça va les emmerder. Après, concrètement, je suis certain que ça peut peut-être faire découvrir un style. Tu vois, parce que c'est quand même un style bien, bien particulier, bien spécifique. Alors là, par contre, on va voir Mario, il peut aller. Mario, il peut aller jusque là. Donc, on va essayer. Alors, attends. Ouais, il peut aller là. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre l'autre ici. On va regarder la tactique. Hein. Donc, je le laisse là. Bon, là, j'ai une chance sur deux, on verra bien. Forcément, c'est le décor. Mais, j'ai une tactique. Avec Mario, je vais aller ici. Je vais me déplacer là, sur le côté. Je peux même, si je veux, je peux même me mettre là, si je veux. Juste ici. Hein. Mais bon, là, je le vise qu'à 50%. Ça n'a aucun intérêt. On se met là. Ici. Tu vois, la princesse me fait marrer. Bah, la princesse, là, pas crétin, elle est juste hyper marrante. Hein. Et là, on peut le tuer. Et voilà. Comparé à d'autres jeux tactiques parus depuis ce début d'année, je trouve que MLC est un peu léger, mais il fait le taf. Il fait le taf. Il fait ce qu'on lui demande de faire. Honnêtement, et je pense que c'est ça le plus important. Surtout que bon, ce genre de jeu, comme on disait, faut pas non plus que ce soit trop compliqué, trop difficile, parce que peut-être qu'après les gens vont se dire ouais, c'est un peu casse-couille ou c'est un peu casse-bombax quoi. Puis vous avez plein de trucs à récupérer hein. Là pour l'instant. Je sais pas si je peux vous le montrer là. Ah, je peux pas vous le montrer là. Non, je peux pas vous le montrer. Ah, quoique QG de combat. Voilà, vous pouvez donc sélectionner votre équipe, donc là on vous montre un petit peu les options, hein, les options que vous aurez en prenant tel ou tel personnage. Donc vous avez vu que vous avez 8 personnages, mais surtout vous pourrez sélectionner l'arme de votre personnage. Et en fait ça c'est bien parce que du coup vous débloquez des armes en fonction bon, de ce que vous trouvez un peu à droite à gauche hein, évidemment. Et puis surtout c'est des armes qui vont fonctionner selon l'ennemi que vous avez en face de vous. Je trouve ça très intéressant. Voilà, comme là la Princess Beach. À la limite, ce serait pas mal que je lui prenne ça. Le type arc-en-ciel. Allez, on va lui mettre le type arc-en-ciel. Bim. Alors lui, par contre, je vais rien faire. Pourquoi? Parce que si c'est bien ce que je pense, normalement, Luigi, on l'aura après nous. J'aurai juste après. Donc ça sert à rien. Ah bah voilà. Ouais. Moi, après mes 80 heures de lecture dans ma partie de 100 heures de Persona 5, c'est bon, je suis immunisé contre la lecture, ça ne me dérange plus. En coop, il peut être sympa. Ouais, c'est vrai. Ouais. Tu as un nombre limité de tours, je viens de voir ça. Tu as un nombre limité de tours si tu veux faire le perfect. Mais si tu fais pas le perfect, si tu veux pas le perfect, c'est pas grave, quoi. Alors lui, c'est le fauteur de troubles. Voilà. Oh oh. Plante pire lapine. La mauvaise herbe flamboyante. Parce qu'en fait, il faut savoir que c'est ce lapin que vous avez vu avec le casque de réalité virtuelle qui maintenant peut coupler en fait deux entités, on va dire. Est-ce facile pour toi pour l'instant? Perso, je trouve que oui, si bien sûr tu ne fais pas n'importe quoi. C'est facile si on ne fait pas n'importe quoi. Mais après, ça ne me dérange pas trop encore. Alors, le mini-boss. Donc, mini-boss. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des caisses qui explosent. Oui, il y a 300 points de vie quand même. Hein. Et puis, putain, il se déplace bien. Hein. 10 cases de mobilité. Hein. Ah, on va bien morfler, je pense, là. Oh, bon, déjà, il y en a un qui est ici. Déjà, on va pas s'emmerder. Lui, on va le buter. Ouais. On va voir, on verra bien. Même si le mélange de Zinior et Rizzi, j'aurais préféré avoir Rayman et sa clique faire équipe avec Mario plutôt que les lapins. Pour beaucoup, je pense que c'est pareil. Hein. Alors, est-ce que je peux déjà tirer dessus? Ouais. Alors, normalement, ça va lui faire pas mal de dégâts. On va regarder. Hein. Je suis pas certain de ce que j'avance. D'ailleurs, à la limite, je vais me déplacer. Voilà. Et on va tirer sur lui. Ah!
Eh bah merde, eh bah je me suis planté. Alors ce qui est bien, c'est que vous pouvez recommencer la bataille. Voilà. C'est un truc plutôt sympathique. Hein. Si par exemple vous savez que vous avez foiré ou quoi que ce soit, vous pouvez la recommencer, la bataille au cas où. Et c'est ce que je préfère faire. Donc du coup, allez, c'est parti. Alors, bah du coup, je ne change pas. Donc j'étais ici. Donc j'attaque. Hop, hop. Attention. Bim ! Poussé ! Voilà. Et je trouve ça marrant parce que du coup, on l'a poussé. Et ça lui fait quand même, il faut le dire, pas mal de dégâts. Alors ici, on va peut-être se planquer. Alors ce qui m'emmerde un petit peu, c'est de voir qu'est-ce qu'elle peut faire les... Parce que sinon, je pourrais faire ça, mais vu que je suis à côté de ça, je suis pas certain de mon coup. Ah, je pourrais peut-être le viser lui, en fait. Mais je serais découvert. Ah, ah, ah. Compliqué, compliqué. Parce que là... Bon, allez, je le tente, tant pis. On va essayer de tuer tout le monde. Ça me rappelle l'étrange Noël de Monsieur Jack, cette musique. C'est pas faux. C'est pas faux. Hop. On va lui mettre le truc de dégâts. Ah punaise, il y en a un là aussi! Ah, j'avais pas vu! Bon, bah, du coup, bah non, on va l'attaquer. On va l'attaquer direct. Bim, parfait, très bien. Et donc, de ce fait, on va le mettre ici. On a l'essentiel à bon jeu. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Ah oui, quand même! Ah ouais, et puis il peut attaquer de loin, ce... D'accord. Tiens, allez, bim. Oh! Critique rebond, ça c'est bien. C'est des petites aptitudes que vous pouvez avoir selon l'arme que vous avez. C'est bon à savoir. Ça se déclenche aléatoirement, évidemment. Alors là, par contre, ça c'est un très intéressant ce qu'il vient de faire. Il vient de se mettre derrière une caisse qui explose. Donc, il y a peut-être moyen qu'on l'ait. Alors lui, par contre, il va me saouler puisqu'il va être en hauteur. Donc, il va me faire presque double de dégâts. Faut que je fasse gaffe. Alors lui déjà on va le viser, ça c'est sûr et certain. Hey, bim! Parfait. Nickel. Nickel, nickel, nickel. Et là, hop, je vais sauter, je vais me mettre derrière. Bah là, j'ai pas trop le choix. Alors attends, peut-être Mario. Peut-être Mario peut lui attaquer. Ah, je vais faire attaquer Mario d'abord. Salut Fufu! Brûle-moi ça là! Prince de Lui, salut Elriders, bonjour à toi. Alors ce Mario Lapin, il vaut son prix ou pas? Pour l'instant, je suis vraiment qu'au début, donc c'est difficile à dire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a vraiment, il y a vraiment un bon feeling, en fait. Ah, je peux viser la plante si je veux. Ah, je peux viser la plante. On va viser la plante. Tiens. Ah, j'ai vu annulation en masse sur Amazon Italie. Oh putain, c'est encore Mario qui va s'en prendre plein la gueule. Mario, par contre, là c'est très problématique ce qui est en train de se passer. Parce que là, il est en train de tout se prendre dans la tronche. Oula, qu'est-ce qu'il fait? Oula, là, il passe derrière. Oh, c'est pas bon du tout, là. Là, c'est pas bon du tout. Donc là, vous voyez que ce qui est en train de se passer, c'est que là, je suis en train de me faire complètement renverser. Donc là, ça commence à être problématique. Donc il va falloir que je sauve en priorité absolue mon Mario. Ouais, je vais le mettre là, du coup.
Ouais, là il va être protégé là. Allez, tiens, dégage. Ouais, la BO est cool. Il paraît que le jeu n'est pas si facile que ça après les premiers niveaux. Bah écoute, c'est ce qu'on va vite voir de toute façon, c'est ce qu'on va vite constater, parce que là, pour l'instant, évidemment, c'est, je vais pas dire impossible à avoir, mais pas loin, quoi. Ah, là, je peux passer. Putain, là, je pourrais l'avoir, et du coup, je rebasculerai par là. Ah, intéressant. Et du coup, je me mettrai juste ici. On va faire ça. Bibi n'a clairement rien fait, quoi. De quoi j'ai rien fait? Cible hors de portée. Quel dommage. Bon, là, par contre, je suis bien emmerdé, parce que là, du coup... je vais me servir de d'elle comme appât. Ouais, je vais me servir d'elle comme appât. Bon, bah là, c'est zéro. Bah, de toute façon, je veux bien tirer dessus, mais bon, c'est zéro, quoi qu'il arrive. Ah! J'ai quand même cassé le truc. Je vais lui mettre sa protection. Pour l'instant, je comprends que dalle. Facile à comprendre, pourtant. Alors, j'espère juste, c'est que là, maintenant, ça va aller. Bah, et forcément, là, il va essayer de m'avoir. Bah, il est logique. Oh, le critique qu'il vient de me faire. Oh, nickel. Oh, c'est énorme, ça. Oh, excellent. Vous avez vu, en fait, je me suis pris le dégât d'incinération, mais comme il a bougé sur le terrain, il a touché l'adversaire, et l'adversaire a été touché aussi un petit peu. Excellent. 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 Très, 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 très bonne, très, très bonne idée. Ah, là, il y a peut-être moyen de l'avoir. Alors, est-ce que je peux faire ça? Ah, yes. Putain, je peux faire ça. Je peux pas repartir, évidemment, non. Et je vais me mettre là. À la limite, je m'en fous. Je vais me mettre ici. Encore une fois, il faut se servir des appâts. Bim! Comme ça, du coup, moi, je suis ici. Je bute. Voilà, on lui fait max de dégâts. Je me mets mon immunité. Alors, la Princess Bitch. Princess Bitch. On va la faire monter. On va peut-être la mettre là. Ouais, on va la mettre là. Je pouvais pas toucher. Tant pis, on va se mettre là. J'ai jamais rien compris au jeu de ce style. Pourtant c'est facile, hein, mon petit tableau. Bim, dans sa gueule, parfait. Pour l'instant, tout va bien. Alors, moi, le problème vient de Mario. Qu'est-ce que je vais faire pour le protéger? La solution voudrait que ce soit ça fasse ça, mais est-ce que je peux déjà le toucher? Ouais, je peux déjà le toucher d'ici. Voilà. Et je vais me mettre ici. Logiquement, de là où je suis, il ne peut pas m'atteindre. Je dis bien, logiquement. Aïe, 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 qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il fait? Allez, le critique! Oh, bah ouais, évidemment. Putain. Alors, du coup, lui, ce qu'on va faire... On va le faire revenir en... Ouais, on va le faire revenir en haut. On va le mettre ici. Ah, il peut pas le toucher. Ah, putain. Ah, attends. Ah, ta. Ça sert pas à grand chose que je fais, mais... à la limite, on va faire ça. C'est facile pour ceux qui jouent, mais on comprend pas grand-chose quand on regarde Bibi, je t'assure. Pourtant, j'essaye d'expliquer, hein. J'essaye d'expliquer au mieux, hein. C'est pas facile. C'est pour bientôt ton test d'Uncharted? Oh, pas avant 2 semaines, à peu près, je pense. Alors, ici, Princess Bitch. Princess Bitch. Ah, il y a peut-être moyen que si je passe là... Ah, je peux passer derrière. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Si je me mets ici. Oh, on va faire ça. Salut Lille Black Cat, bonjour à toi. Enfin, bonsoir à toi. Allez, bim, dans ta gueule.
Bon, alors Mario. Normalement, si je me mets ici, il aura pas de dégâts. Je dis bien normalement. Mais je suis pas du tout certain. C'est problématique là. Bon, on va essayer. On va essayer. Je promets rien. Parce que là, c'est très dangereux ce que je fais. Avec activation. Ça sent le gros sac à PV en guise de boss. Oui, oui. Vas-y, bouge. Yes. Yes. Nickel. C'est arrivé au bon moment. Bon. Ah bah, on l'a eu. Ah bah, nickel. Donc, dès que le boss est buté, c'est bon. Noir. Le coup spécial. Énorme. Ah, Life is Strange avec des nouveaux. Yeah. C'est cool. Louis. Lucas. Lucien. Bon, peu importe, bienvenue. Et voilà. Alors, est-ce que j'ai eu... Eh, hey, quand même, hein. Donc, ils sont larges, hein. Au niveau des tours, vous l'avez vu, c'était 8 tours maxi pour avoir le perfect. Hein. On est large. Bon, bah très bien. Donc là, vous avez compris que si vous terminez les tours, si vous terminez en fait les niveaux comme ça dans le temps imparti, ou en tout cas dans le tour imparti, vous avez le perfect, et quand vous avez vraiment le perfect perfect, vous avez la coupe d'or, et vous pouvez avoir donc les récompenses et tout. Voilà. Ah, arbre de compétence débloqué. Félicitations, tu as débloqué l'arbre de compétence. Tu peux maintenant améliorer tes héros. De plus, en battant cette plante pire à la pine, tu as gagné des orbes de puissance qui te permettent de progresser dans l'arbre de compétence. Coïncidence ou pas? Va au QG de combat pour dépenser ces orbes bien gagnés. R&D Amiibo. R&D Amiibo permet au lapin crétin de faire des expériences de jolies figurines. Est-ce que tu en possèdes? Apporte-les à ce nouveau département qui se trouve juste à côté du château de Peach. Le Dome Coop. Eh, hey, toi, arrête de jouer seul. Va donc au Dome Coop. Près du château de Peach pour montrer ce que tu sais faire avec un autre joueur. Et Luigi, indique-lui ta cible sur le champ de bataille et jette aussi un œil à l'arbre de compétences de Luigi. Et de nouvelles armes en stock. Ça marche! Je suis hâte de devoir attendre 19h demain pour Life is Strange, pas pouvoir DL dès minuit. Bah merci Steam. Hein. J'ai envie de te lire. Bon bah écoutez, le niveau s'est quand même plutôt bien passé. Voilà. Ça a été. Alors on va aller par là. Alors le mélange Mario et les lapins, ça fait un bon jeu. Bah écoute, pour l'instant, honnêtement, je sais pas si ça fait un bon ou un mauvais jeu. Je dirais que c'est agréable à jouer. C'est agréable à jouer. Moi c'est sur PS4. Ah bah sur PS4, tu pourras peut-être le DL à minuit alors. Donc là, c'est bon. On va pouvoir avancer. On peut être admiratif de leur persévérance dans l'art de la dissimulation. L'endroit semble très inconfortable. Alors. Des cubes là. Faut retrouver ce qu'il faut pour activer les cubes. Ouais, pour l'instant, là, il n'y a rien. On va aller voir par ici. Ouais, y a plein de cubes ici à enlever. Hein, donc, à mon avis, il doit y avoir des interrupteurs quelque part. Faut juste trouver le premier. Tu trouves le premier interrupteur, je pense que c'est bon. Ah oui, c'est vrai que je peux toujours pas pousser les...
les blocs. Bon, de toute façon, faudra revenir par là. Bah, ils vous le disent, hein. Ils vous le disent. De toute façon, vous êtes obligé de revenir par là, à un moment donné. Monde instable. Oui, tout à fait. Il est vraiment beau à regarder ce jeu, c'est fou. Ouais. Et c'est Ubisoft, hein, pourtant, qui a fait le jeu. Enfin, en partenariat avec Nintendo, mais le gros du gros, ça reste quand même Ubisoft. Alors, nous en avons un ici, un là. Trois ici, un là. Ouais, ça va, tranquille, hein, pas de problème. Hein. C'est un peu nombreux, non? Alors. Bon, bah déjà, Mario, il va aller là. Gotcha! Wouhou! As-tu vu, Bibi? As-tu vu les quenouilles? Oui, oui, je les ai bien vus. Alors. Et si je me mets là? Ah, bah je peux avoir à 100%! Parfait! Yep. Tiens, mange. Attention! Salut Bibi, ça va bien? Salut Inko, bah écoute, ça va plutôt bien. Et toi? L'affichage rien à brûler, Bibi ne l'a même pas fait. Je dois bien reconnaître que je ne l'ai toujours pas fait, en effet. Allez, tiens, mange. Allez, forcément. Il va me faire double attaque. Ah, bien joué, du coup. Bien joué. Ouais, compliqué, là. Mais de toute façon, il fallait les faire venir, donc... J'avais pas trop le choix. Ah, lui, en hauteur, il va me saouler, par contre. Ah, cassez-vous, là. Ah, puis il bouge pas, hein. Bon. Alors déjà, lui... Hein, lui, il va morfler. Forcément. Et... On va... Bon, allez. On va faire comme ça. Ça parle mal dans le chat. J'ai envie de te dire comme toujours. Non, ça va. En règle générale, ça va. Ils sont pas... Les gens se tiennent bien. Bon, ensuite, alors, beach ou ma beach. Parfait, tu peux faire ça. Tu peux, à la limite, sauter et revenir ici. Bim, voilà. Nickel. Bah, pff, sert à rien, mais bon, tu peux quand même le faire. Alors, Mario. Oh, bien sûr, putain, il peut pas l'avoir d'ici. T'es sérieux? Ouais, je pense qu'il vaut mieux le tuer parce que ouais, il va être chiant sinon. Tu avais raison pour Forza Horizon 3, je suis pas fan des jeux de voiture, mais ce jeu est génial. Tu vois, franchement, c'est le jeu est hyper, hyper, hyper plaisant. Pour peu que l'on même qu'on aime juste un minimum. Juste aimer un minimum, tu vois. C'est juste ça. Ah! Ah, 45, c'est vrai qu'il est en hauteur. Aïe, 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 ils sont en hauteur. J'avais oublié ce détail. Du coup, là, je me prends moult dégâts. Ah, c'est dur, là. Ah, et puis là, il va faire pareil. Ah, putain, j'ai très mal géré. J'ai ultra mal géré. Voilà, donc là, vous comprenez que si on gère très mal, on perd la moitié de sa barre de vie. Voilà, pour que les choses soient bien claires et que vous compreniez bien. Voilà comment ça se passe. Projet Cars 2 a l'air génial, bien sûr. Encore 30 championnats à faire sur Horizon 3, je vais finir un jour en coop. Yeah! Merci Force en tout cas d'être passé. Ça fait plaisir, merci à toi. Des bisous et puis bah écoute, à la prochaine. De toute façon, là j'ai pas trop le choix. Gotcha! Yahoo! Ah. Oh, le critique avec le rebond! Excellent!
Par contre, du coup, il est juste à côté de moi. C'est moins bien. Parce que du coup, je peux rien faire. Ok. Bon, bah, c'était... Ouais. Tapis. Tapis. Ça a mal géré, encore une fois. Ouais, là, du coup, bah, forcément, je suis juste en face de lui. Ah, l'enfoiré, putain, double dégâts. Ouais. Là, ça va être compliqué. Très difficile, très difficile. Là, je, une fois de plus, j'ai très mal géré la situation. À la limite, ce qu'on va faire, on va la jouer comme ça. Je vais me mettre en face. Je vais faire tampon. Il coûte combien sur Switch? Il a 45, je crois. 40 ou 45 euros. Allez, tiens, mange. Voilà. On va lui mettre son truc. Il est quand même vraiment joli le jeu. Ouais! Très joli. Alors Mario. Ouais, Mario il pourra. Ah putain, il pourrait déjà le. Mais je crois qu'il peut en faire que pour un. Ah ouais, pour l'instant, il peut en faire que pour un. Très, très bizarre d'ailleurs, mais. Ah oui, donc attends. Tu peux rebondir là. Et aller ici. Parfait. Ça devrait le faire. Ok, du coup, il est derrière. Je peux viser celui-là. Ah, quoique. Ah, quoique. Ah, non, j'ai très mal géré. Mario est mort. Voilà, Mario va mourir. Ah, Mario va mourir. Ah, putain, j'ai très mal géré, une fois de plus. Ah, putain. Ouais. Tant pis. Donc là, on va voir. On va voir l'intelligence artificielle ce qu'elle va faire. Est-ce qu'elle va préférer viser Peach ou plutôt Mario ou les deux? Ah bah ouais, oui, si tu veux. C'est... Ouais. Aussi, ça marche, hein. Mais c'est pas lui que j'aurais visé en premier, mais enfin bon. Si tu le veux. Si tu le souhaites. Project Cars avec Flash McQueen. C'était tout juste quand même. Hein. Par contre, là, vous avez remarqué une chose. Ma barre de vie n'a pas été remise à 100%. Donc je suis, quoi qu'il arrive, dans le caca. Ah, il y a un champignon. Il y a un champignon, c'est bon. Champignon. Ah oui, le champignon. Bon, c'est déjà un peu mieux, mais Mario va falloir qu'il fasse vachement gaffe, parce que là, ça sent pas bon. Ok, l'IA. Bon, là, j'ai rien à faire. Non. Pouvoir continuer. Tu vas voir, dans Mario Odyssey, t'auras un costume lapin. C'est fort probable. Oh, putain. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui nous attend? Si mes données sont exactes, c'est un chomp. Il dort pour le moment, mais dès qu'il sentira notre présence... Oh, je vais enlever un peu mes lunettes, parce que... J'ai mal aux yeux. Dès qu'il sentira notre présence, il se réveillera et est en train de nous mordre. Nous, là, nos ennemis, le champ ne réfléchit pas, ils font sur la cible la plus proche. D'accord. D'accord, ouais, bah ouais, on verra bien. Putain, ils sont 5 encore. Ah, ça y est, il s'énerve, ça y est. Donc l'ennemi le plus proche... Je me dis, si je me mets là, ça devrait être bon. Ah ouais, mais il y a l'autre qui est là-bas. Vous savez quoi? On va protéger Mario. On va protéger Mario. On va essayer de tirer. Ah, forcément. On va faire ça. Ouah, Datia XCOM peut aller se rhabiller. Alors, saute. Elle a combien, elle, Beach ou ma Beach? 220, c'est bon. C'est bon, elle peut... ouais, alors on va tenter. Hein. C'est aussi complexe qu'un XCOM ou c'est plus accessible? Non, c'est plus accessible. Ah oui, ça n'a rien à voir. C'est quand même beaucoup plus accessible. Et heureusement. Alors, je peux l'avoir, lui, et je peux à la limite me mettre ici. Oula. Oula. Ou là.
Ouais, le plus proche, hein, donc faut faire gaffe. Tu sais quoi? On va se mettre là. Salut Staff, bonjour à toi. Fusoy, il va te répondre de te faire le platine de Jack X. De qui? De Jack X? De Jack X? Jack X et Mixel? Allez, chompe! Bouffe-le! Ah oui, quand même! Ah oui, 75 de dégâts! D'accord, 75 de dégâts, c'est beaucoup. Il m'a eu quand même, ce con. Alors, Bibi, ce Mario est une bonne surprise, ce jeu de merde pour toi pour l'instant. Oh, pour l'instant, c'est une bonne surprise. Hein. Pour l'instant, c'est une plutôt bonne surprise. Hein. Après, pour l'instant, j'ai pas encore trop joué, hein, évidemment. Ah, putain! Une chance sur deux, et à chaque fois, pour l'instant, ça tombe bon, quoi. Ils ont vraiment du bol. Par contre, Chomp, il va m'emmerder, là. Ouais, Chomp, il va bien m'emmerder, là. Aïe, 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 putain, j'ai encore très mal géré, très mal géré, je joue très mal. Ah! Il a changé de bord. Pff, bon, là, c'est simple, je peux même pas le viser, lol. Mario, qu'est-ce qu'il peut faire? Rien. Peach avec sa pose absolument incroyable. Alors, je vais faire ça. Et... Bah, je vais me mettre là. Ouais, dégage. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Vas-y, Franky, c'est bon. Jackie, c'est Michel. Oh la vache, Bibi, tu as l'air crevé. Bah, j'ai fait du sport aujourd'hui, donc à mon avis, ça, ceci explique cela. En tout cas, ça doit venir de là, je pense. Bon, là, par contre, putain, là, je peux rien faire. Donc là, vous voyez ce qu'on va faire? On va juste se mettre là. Et puis, on va se... Ah, je vais peut-être casser leur protection. Eh oui. Mais oui. Ah, ça y est, le mec qui commence à peine le sport, il n'en peut plus. J'ai jamais dit que j'étais fatigué. Attention, nuance. Mario, ce qui m'emmerde, c'est que lui, s'il se prend un dégât dans la gueule, c'est terminé. Hein, donc, vous savez quoi? On va le laisser là, Mario. On va le laisser là, on va les laisser avancer. Tiens! Voilà. Oh, bien! Il peut avoir le deuxième? Ah non. Bah, je me suis dit, il va faire une réaction en chaîne, mais non. Mais par contre, le chomp se rapproche d'eux. Hein. Donc, ils vont bien morfler. Mais lui, quel con! Mais quel imbécile! Le mec, le gars se met là! Putain, il se met juste là pour se faire bouffer le cul. Si vous voulez, hein, si vous voulez, il n'y a pas de problème, hein. Allez-y. L'intelligence artificielle! Du coup... Ah, il y a peut-être moyen de faire un double. Attends. Est-ce qu'avec Beach ou ma Beach, elle peut aller... Ouais. Bon, lui, il va se faire bouffer par Chomp, donc ça sert à rien. Pas très intelligent. Ah, peut-être que... Ah, ah, on va peut-être faire ça. Ouais. Allez, on va faire ça. J'ai fait du sport aujourd'hui, j'ai donné, elle m'a tout fait. Allez, tiens, mange. Le lapin crétin ennemi a les couleurs jaunes et violettes de Wario, j'ai remarqué. Ah, j'ai pas remarqué. Ah, j'ai pas remarqué du tout. Ah ouais. Ah ouais, bien vu. Ah ouais, bien vu. Non, non, je reconnais, je n'avais pas constaté. Ah, à la limite, je pourrais revenir ici. Mais du coup, je peux pas le buter. On va faire comme ça. Ah, attends. Ah oui, énorme. Je passe ici. Excellent. Bim. Hop. On passe là. Parfait. Nickel. Très bien. Et comme ça, je l'ai pris à revers. Et là, bim. Bon, forcément, là, maintenant, il peut m'avoir. Hein. Il peut m'avoir, évidemment. Ça me permet de déplacer mon Mario. On va casser sa barricade. Voilà. Comme ça, tu es découvert, mon cochon. Toi, tu mets ton bouclier.
et le chomp qui va le bouffer. Voilà. 250 décibels, mais alors ça crache. Ah, bien vu. Bien vu le lapin, bien dégueu là. Petit con. Ah, bien joué. Bien joué. Non, c'était bien joué. Alors lui, qu'est-ce qu'il va faire? Putain. Ah là là. En fait, je crois qu'il se rend même pas compte que je vais pas dire qu'il y a le décor, mais voilà. Alors, du coup, il m'en reste un ici. Ah, il en reste qu'un. D'accord. Parce que si je me mets là, le champ, il peut m'avoir ou pas? Nope. Donc, on va faire ça. Bibi, mon stratège à la Death Note. Tu vas manger chinois ou chez lui? Oh! Oh! Énorme! Ah, excellent! Alors, ça, c'est énorme. Alors, il faut que je vous explique ce qui vient de se passer. En fait, il faut savoir que de temps en temps dans le niveau, alors ça dépend évidemment de l'arme que vous avez, ça dépend du niveau dans lequel vous êtes, etc. Ça dépend de certains paramètres et donc forcément d'un petit côté aléatoire qu'il peut y avoir. Il faut savoir que tu peux en effet avec ton arme pousser en fait directement l'ennemi. Ok, ça roule, Snake, à la prochaine. Tu peux pousser en fait l'ennemi et s'il se cogne contre le décor, il a des dégâts supplémentaires. Excellent, excellent. Et là, vous savez quoi? J'ai même pas envie d'attaquer, en fait. Parce que je me dis, le champ, il va le bouffer. Mais bon, comme je n'ai pas envie qu'il souffre, je préfère l'annihiler tout de suite. Comme ça, on n'en parle plus. Ça sent bon pour l'IA et ses origines. J'ai pris une serpillière parce que t'as qu'il a Malibu. Bon, bah nickel. Ah, quoique, on a bien fait d'attaquer, parce qu'on était limite au niveau des tours. Bon, et bah parfait. Très bien. Très très bien. Et Orange me retire justement ce qui m'a rendu malade hier. Bon. Très bien, parfait. Alors récupérer les petites pièces, c'est bon, plus rien. Non. Ah. Alors, où est-ce qu'on est ici? Détruit en vue, va falloir trouver une autre solution. Pour l'instant, il n'y a pas trop de solutions. Donc, il n'y a pas trop de solutions. Ah, par contre, là, il y a un petit. Ah. Ah. Excellent. Ils sont tellement drôles, c'est Rabbit. C'est ça. Rabbit. Allez, hop. Atatata, reviens. Je dis ça, mais il y a peut-être un... Ah, quoique. Ah oui, en fait, là, c'est pour la suite du niveau. Et si je fais ça? Ah, je me disais bien qu'il y avait un truc. Le coffre! Tu as trouvé un nouveau modèle 3D. Lol, merci beaucoup. C'est bien, mais j'en avais pas forcément besoin. Bon, et vous l'avez vu, il y a du petit, collectable. Alors, lui, on va le bouger. Et hop, on va faire ça. Oh. Excellent. 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 Ah ouais, d'accord, en fait, c'est pour repasser directement là. Et on passe par là. Ouais, ça va. Vous l'avez vu, c'est pas extrêmement compliqué en termes de... puzzle game, ou en tout cas de... phase de réflexion, on va dire ça comme ça. Je me suis pris un coup de godasse de foot. C'est dingue de voir ce jeu débarquer maintenant. Je vous rappelle qu'Ubisoft avait toujours soutenu Nintendo avec au moins un jeu à la sortie de la console comme Zombie U. C'est vrai. C'est vrai. Ça montre ici quand même que... Eh bien, il y a un intérêt à la soutenir. Et c'est vrai que le mix, au final, on se dit... bah, c'est pas possible. Mais si. Mais si, le mix, comme on dit, est improbable. Mais il passe. Il passe plutôt bien. Alors, où est-ce qu'on est ici?
Pipièce. Alors. Ah, il y a un coffre. Tu as trouvé un... Ah, le modèle Luigi. Ça me plaît. Mais moi, après, je veux changer. Je veux mettre Luigi. Bah, je pourrais, hein, mais il faudrait retourner au QG, en fait. Ah, donc là... Oula. Là, on va commencer direct. J'ai bien envie de retourner au QG de combat pour voir avant. On va faire ça. Ce qu'on va faire, on va faire ça. Progression sauvegardée. Hop. Je retourne au château. Parce que de toute façon, la progression est sauvegardée, on reprendra ici. Je veux juste voir si je peux changer. Les armes et tout ça. Ah, j'aurais peut-être pu faire dans le menu. Mais oui, quel imbécile. Oh, quel con. Ah, quel con. Oui, très bien, on s'en fout. Allez, donc, c'était... Bah, c'était là, de toute façon. Mais j'aurais pu le faire de mon menu à moi. Ah, bah voilà. Ouais, Luigi! Ah, Luigi! Bon, je prends Luigi, hein, ça c'est clair. Ah, il a... Ah, par contre, il a moins de PV, ce con. Merde, c'est dommage. Et en plus, il est pas très puissant. Oh, putain. Ah ouais, par rapport aux autres, il est dégueulasse. Putain, Luigi, Ah, mais c'est un perso à longue distance. It's a sniper! It's a sniper ghost warrior! Ah! Ah! C'est intéressant! C'est intéressant! Putain, c'est intéressant quand même! Hein. Bon, allez! Ouais, je valide l'équipe! Allez, tant pis! Je vais mettre Luigi, on va essayer avec lui! On va voir, de toute façon, si on n'essaye pas, on peut pas savoir! Ça, c'est quoi ça? Ah! Dégâts en plus, dégâts de miel plus 10 et dégâts chance miel 30%! C'est pas mal ça pour Mario. Surtout plus de dégâts. C'est pas négligeable. J'ai rien d'autre. Ah. Dégâts rebond. Je pense que c'est mieux le rebond. Ouais. Ouais. C'est mieux le rebond. Allez Mario! Voilà. Pitsu. Ça y est, Pitsu. Oh mon dieu. Alors, Beach. Beach ma Beach. Tu n'as rien d'autre? Non. Alors, Luigi, qu'est-ce que t'as? Ah, il y a des dégâts d'encre et de rebond. Dégâts de rebond, ça peut être pas mal, ça. Parce que imagine, en fait, que tu tues le gars de loin. Et comme tu le tues, en fait, de loin, il va rebondir. Et s'il rebondit dans le décor, double dégâts. Je prends. Voilà. Allez, on va essayer comme ça. Alors, l'arbre de compétences, comment ça se passe? Ouh là là. Ouh, je suis le bordel. Alors, qu'est-ce que c'est? Activation. Ah, parce que c'est pas activé, là. D'accord. Alors, une attaque ciblant la tête d'un ennemi suite à un saut d'équipe. Mario atterrit ensuite sur une case proche. Non, mais c'est activé, celui-là. On est d'accord qu'il est activé, celui-là. Ah non, il est pas activé. Ah non, non, il est pas activé. Non, non, il est pas activé. J'ai rien dit. Ah ouais, il est pas activé. Alors, une arme de combat rapprochée pouvant toucher plusieurs cibles à la fois. Ouais. Bon, Luigi, lui, c'est quoi? Permet à Luigi d'effectuer un saut d'équipe avec deux héros successivement. Ah, c'est lui. C'est lui. Alors, la part Peach, qu'est-ce qu'elle fait? Charger plus d'un ennemi en se déplaçant. Ah, ça peut être intéressant, ça. Ça peut être intéressant. Ouais, je vais attendre. Je vais attendre. Là, pour l'instant, je sais pas. Cool de retrouver un petit live après le taf. Yeah! Bah écoute, installe-toi, hein, fais comme chez toi. Du coup, j'ai ni son ni image. Ouais, c'est bizarre ça. Bah surtout, n'hésite pas à... Oh, la limite, fais F5. Hein. Ah oui, t'as pas de son ni d'image. Ouais, du coup, tu peux pas m'entendre. Désolé. Alors, c'est bon, on y va. Alors, on va voir si mes changements... Ouh, ça rame un peu, là. On va voir si les changements que j'ai opérés seront les bons.
Poum, 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 poum. Monde 1-7, les uns sur les autres. Ah ouais, carrément. Putain, on voit que c'est Nintendo, on voit que c'est Ubisoft. Hein. Je n'ai pas encore appris à faire ça. À faire quoi? Ah, il faut pousser le cube. Par contre, c'est joli, là. On peut pas déplacer la caméra, mais c'est joli. Enfin, la caméra en hauteur, hein, j'entends bien. Ça passe tellement vite pour les dates de sortie de jeu, hâte pour Lucky Stale. Mais oui, mais ça va très très vite. Hein. Regarde, là, Knack 2, il sort déjà la semaine prochaine. Destiny aussi, d'ailleurs. Bon, tout le monde s'en bat les couilles. Mais... alors, il y en a un là. Il y en a un là. Il y en a un là. Comme on dit, il y en a l'eau. D'accord. D'accord. Alors, on voudrait déjà voir avec Luigi ce qu'il pourrait faire. Mais, sachant qu'il y en a un ici qui peut se mettre là et qui peut m'avoir de là. Ouais, le problème, c'est que si je me mets là, je touche personne. Donc, alors déjà, jusque où il peut tirer? Ah oui, quand même! Bon, là, forcément, mais là... Ah ouais, il peut tirer quand même de là. D'accord. Mmh. Mmh. Qu'est-ce que je pourrais faire? Parce qu'elle, soit je me mets en dessous pour faire sauter Mario et Peach pour aller le faire du corps à corps, mais je risque de me faire avoir, soit on y va en passant par là. Ah, puis là, moi, je peux pas bouger quoi qu'il arrive. C'est risqué. C'est très risqué ce que je vais faire. Alors, on va déjà, c'est... le buter, on va essayer, avec un peu de chance. Ah, attends, j'ai pris Mario. On va faire ça. Demain, 19h. Pff, allez. Destiny 2, 2h de DL pour 30 minutes de gameplay, merci Bungie. Quand Bibi enlève ses lunettes, il joue mieux. Taisez-vous. Oh, énorme! Ah ben voilà! Vous avez vu? C'est exceptionnel. Voilà, je garde Luigi. Vous avez vu le rebond? Énormissime. Allez, hop. Mets-toi là, le Luigi. Quand? Regarde acier, dégâts d'armes. Ah! C'est pas mal, ça. C'est pas mal du tout. Tout à fait, ouais. Ouais. Alors, comment on va faire du coup? Comment on va faire? Moi, j'ai bien envie de les laisser bouger. Tu vois, limite. Vous savez ce qu'on va faire? On va faire ça. On va se mettre là. Putain, lui, par contre, lui, il va m'emmerder. Parce que je pense qu'il peut m'avoir quand même de là. On va se mettre là. On va la jouer un petit peu. Enfin, vous avez compris. Et on va mettre la grosse dardon ici. La grosse de Don. Et avec son bouclier. Bibi en mode sérieux. Ok. Pour mieux voir la merde qu'on nous sert. Un coup, je pourrais relancer Andromeda pour mieux admirer, tu sais quoi. Oh. Oh là là, excellent, c'est bon. Ça, c'est très bien pour l'instant ce qui s'est passé. Alors là, est-ce qu'il va faire... Oh putain! Ah d'accord, évidemment. J'ai eu du bol. Pas moi, ouais. Elle, je m'en fous. Le mec, elle, je m'en fous, m'en bats les couilles. Mais pas les autres, putain. Pas les autres, bordel! Alors, attention. Là, bim. Je ressors. Merde! Ah! Bah, à la limite, je me mets là. Je suis trop loin, de toute façon. On va faire ça. Personne sait comment je peux désactiver le HTML5. Aucune idée. Je saurais pas te dire. Et donc là... Bim. Voilà.
Alors, mon petit Louis de J. Là, ça commence à devenir intéressant parce que du coup, il peut aller en hauteur. Voilà. Et il a une très très belle vue sur mon petit. Et oui! Yeah! Putain, c'est bon ça! Ah, c'est énorme. C'est énorme. Je garde Luigi. Ah, je garde Luigi. Ça y est, best perso ever. Du coup. Est-ce que je pourrais le viser d'ici? Ou de là? Ah, il y a peut-être moyen. Ah, quoique, il va me saouler quand même. Mais si je veux protéger Luigi. Ouais. On va protéger Luigi. On va protéger Luigi. Louis de J. Là, logiquement. Est-ce qu'il va viser Luigi? Non, Mario. Là, vous avez vu? Tactique. Tactique du gendarme. Ah, il y a les ennemis qui arrivent juste là. Ah, les enfoirés. Salaud! Salaud de salut! Alors, est-ce que je peux viser de là? Oui, mais sans savoir si ça va marcher. À la limite, ce que je peux faire... On va tenter comme ça. C'est... Pas sûr que ça marche. Hein. En fait, vous allez voir ce qu'on va faire. On va faire ça. Moi, du coup... Bon, je peux rester là. Je vais attaquer. En fait, je vais l'attaquer jusqu'à ce que on puisse le tuer. Et je reste ici. Le Luigi, attaque-le. Oh, excellent, excellent. Donc là, ça, c'est bon. Et puis, bah, du coup, il reste la Princess Bitch. Alors, la Princess Bitch, on va attendre. Voilà, donc là, ils sortent. Donc, ils vont pouvoir attaquer. Ah, putain. Forcément. Forcément 100%. Oula, il y en a un peu plus qui arrivent là, donc on va se calmer un petit peu, hein, les zigounettes là. Alors est-ce que je peux arriver jusqu'ici? Ah, putain. Ah, par contre, là, il y a peut-être moyen... Ah ouais, il y a moyen d'ici. Mais du coup, je suis à la merci du dégât. Je vais tenter, mais... Ce jeu est aussi beau que Jack X. Luigi se perd... Oui! Oui! Ah, énorme! Ah, excellent! Ah, il est revenu! Oh, merde! Ah, j'ai eu peur, je me suis dit... Enfin, je pensais qu'il était mort, mais en fait, non, il lui reste de la vie. Oh, merde! Oh, merde! Bon, enfin, c'est déjà bien. C'est très bien ce qu'on a fait, quand même. Parce que du coup, à la limite, moi, je me mets là. Ou bien... Attends. Là, je saute là. Là, ça me permet de l'avoir. Mais il y a l'autre qui va se réveiller. It's complicated, hein. Alors que je pourrais essayer de viser l'autre. Ah, il est planqué. Il est planqué. Donc ça va être compliqué. Ah, quoique, attends. Ah, il y a peut-être moyen d'activer les trucs. Allez, bon, on va faire rebondir sur Mario. Et on va le mettre ici. Même si c'est dangereux. La caméra qui se déplace super vite dans le jeu. C'est moi, hein, qui la déplace super vite. Hein. Donc c'est normal, on va dire. Donc là, forcément, bah là, je peux rien faire. Mais je vais mettre en place mon super pouvoir. Bon, je peux essayer de lui tirer dessus, hein. Mais bon, de toute façon, ça servira pas à grand chose. Ouais, c'est comme ça. Ouais, m'en doutais. The Lost Legacy est une perle comparée à d'autres qui le trouvent à chier. Oui!
Oui, nickel, et on l'a buté direct. Parfait, excellent, excellentissime. Oh là là, oh par contre. Ah Mario, Mario, il va mourir Mario. Non Mario, ah, il lui reste que 9 points de vie. Putain, on est dans la merde là par contre. Ah là du coup c'est non. Oh putain. On est dans le caca. On est dans le caca parce que Mario va mourir. Ah putain. Mario, ne meurs pas. Enfin, pas tout de suite en tout cas. Alors, toi, bim. Et on va se mettre là. On va tout donner. Il faut vaincre 5 ennemis. On va tout donner maintenant. On va tout donner maintenant. Donc il faut. Donc tant pis, on joue le tout pour le tout. On joue le tout pour le tout. Je lui mets tout dans sa gueule. Avec un peu de chance, ça ira. Qu'il crève Mario, il sert à rien. Regardez ce qu'on va faire. On va se mettre là. Luigi, par contre, résiste à ton frère, putain. Voilà, parfait. On va lui mettre ça au cas où. Protection. Et Luigi. Voilà. Et normalement, ça devrait être bon. Est-ce que c'est bon? Yes, c'est bon. Tout juste encore, hein. Et c'est que le premier tour. C'est que le premier tour et Mario est déjà quasiment décédé. c'est sympa. Hein, c'est sympa, ça rassure, hein, évidemment. Je donne pas cher de sa peau. Ah, puis en plus, il n'y a pas de... Non, t'es sérieux? Il n'y a pas de champignons? Alors là, par contre, là, on est dans la merde, là, plus totale, là, par contre. Hein. Ouais. Parce que là, du coup, on va là, et on va tout de suite enchaîner sur un niveau. Putain, ça lance des Toads. Ah, puis en plus, c'est un mini-boss, t'es sérieux? On va morfler, on va morfler, on va morfler. Démolisseurs, les abrutis collants. Ah, il faut juste atteindre la zone. Donc à la limite, il y a peut-être moyen de... Il y a peut-être moyen de moyenner. Alors, premièrement, son tempérament. S'il est frappé par une arme, il cherche son attaquant comme un taureau enragé. Deuxièmement, il a la compatibilité d'un morse. Après une orgie de poissons. Si vous vous en éloignez assez, il arrête de charger. Ouais, mais ça m'explique pas. Mobilité 4 cases. Ok, mais est-ce qu'il y a d'autres ennemis aussi? Parce qu'à mon avis... Ah, putain, ouais, non, c'est trop loin. Je pense qu'à mon avis, il y a des ennemis qui vont apparaître à un moment donné. Bon, on va tenter, on verra bien. On va tenter un truc. Non, ne l'attaque pas. Ne l'attaque pas. Ne fais rien pour l'instant. Ne fait absolument rien. Parce que sa mobilité est de 4 cases. Donc là, pour l'instant, on est bon. Non, on n'attaque pas. Et Luigi va aller ici. On n'attaque pas. On fait le tour. Ah, donc il peut attaquer quand même. Non, il y a des ennemis. Oh putain, on est dans la merde. On est dans la merde. On est dans une merde noire. On est la merde noire. Là, on peut le dire. C'est la merde noire. on est vraiment, vraiment dans le caca. Je sais pas ce qui va se passer. Bon, bah alors, tant qu'à faire. Autant le buter. Ah oui, d'accord, il charge direct, en fait. Ah oui, ok. Ok, tout va bien. On est dans la merde. Ça sent le premier niveau de merde, hein, je vous le dis. Bonne soirée, Mayhem, merci d'être passé. À la prochaine. Du coup, bah, Luigi, bah, il va faire de son mieux.
Ah oui, c'est vrai que Luigi a un petit peu... Ah bah de toute façon, il va s'en prendre plein la gueule, Luigi. Bon bah voilà. Ça, c'est fait, je pense. Oh putain. Ah ouais, puis là, les ennemis qui vont... Oh, puis y a un gros en plus. Oh merde! Bah, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Il m'a bien eu. Hein, il m'a bien eu. Ça va être très compliqué. Ça va être très, très, très compliqué. Là. Aïe, aïe, aïe. Aïe. Caramba. Ah, puis là, je peux pas faire grand-chose. Emine, je peux peut-être, là, elle, la faire avancer. Mais de toute façon, elle va se prendre tout dans la gueule. Bah ouais. Ah ouais, elle va tout se prendre dans la face. Et il est où l'autre? Ah, il est là, ce con. Je peux essayer ça, mais je pense pas que ça fonctionne. Hein. Allez, avec un peu de chance, un rebond. Et non. Et non. Bon, bah ça sent la défaite, hein. Ça sent la défaite. Ça sent la défaite à plein de nez, on peut le dire. Allez, allez. Oh. Allez, avec un peu de chance, peut-être que... Ah, putain. Au revoir, Luigi. Ah. Aïe, aïe, aïe. Bon, bah, il me reste plus que Peach. Ça va être compliqué. Non, non, non. Non, 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 voilà. Putain, elle est dans une... La merde noire. Et lui, il peut aller jusqu'où, là? Ah bah, je suis foutu. Ah bah, je suis foutu. Eh oui, je suis foutu. Quoique, si je me mets là... Ouais, si je me mets là, il m'aura pas. C'est pas sûr, hein. C'est pas sûr du tout. Hein. Parce que s'il se met là, j'ai peur qu'il puisse attaquer. On va pas prendre de risque. Je vais me mettre là. Non. La pression. C'est ça. Non! Non! Putain, il peut aussi prendre le bazar. Oh là 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 là. Ça va être compliqué, ça va être très très très... Oh là là, puis là, comment veux-tu aussi? Ok, c'est mort. Voilà, donc c'est mort. Là, je suis pris en étau. Je peux pas aller plus loin. Ah, oh, putain. C'est mort. C'est mort, c'est mort, c'est mort. C'est fini. On a perdu. On a perdu. On a perdu. On a perdu. Bon, on va voir du coup ce que ça donne quand on perd. Voilà. La perte d'où ? Voilà. Partie terminée. Putain, c'est chaud. Ce niveau est très 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 chaud time de la bite. Comme on dit. Ah, il va être très très chaud celui-là. Alors, du coup... Ah, puis en plus, je recommence... Oh là 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 là. Et je recommence en plus avec le même état de point de vie. Ça va être bien. Ça va être très 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 dur. Ça va être extrêmement complexe. Je sais pas comment on va s'en sortir, mais... Mais ça risque d'être difficile. Le combat risque d'être compliqué. Ah, putain. Pas comment on va faire. Là, honnêtement, je sais pas comment on va faire. On va peut-être tous les faire venir dans un coin, au lieu de les... Ouais, on va peut-être faire ça, à la limite. Hop. RIP, le Bibi n'est pas prêt pour ça. Non, j'étais pas prêt pour ça. Salut Ringa, bonjour à toi, comment vas-tu? Genre, le jeu est fini, t'es coincé à vie. Oh putain, mais même de coin il peut m'avoir. Putain. Pff, fils de pute. Aïe 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 aïe. Je suis dépité. Je
suis dépité. Donc lui, il peut aller jusque là. Ok. Alors, est-ce que... Ah, très bien. Je peux essayer de passer par là direct, mais c'est... Ouais, c'est une chance sur deux. Dépité. Voilà, c'est ça. Ah bah non, pas lui. Non, ça va aller. Par contre, je vais activer mon dégât d'arme. Et le tour de l'ennemi. Le jeu est toujours mis au niveau... En haut, au niveau de la caméra. Oui, toujours. Eh tiens, mon cochon. Bim. Là, forcément, il va me tirer dessus. T'es dépisté aussi, Bibi. Bon, alors toi, bah déjà, tu vas là. Alors, attends. Toi, tu vas jusqu'où? Oh, putain, c'est pas possible, ça. Ah, j'ai pas le choix. Je n'ai 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 pas le choix. Parce que si je me mets là, il va m'avoir. Ah, quoique, elle peut se prendre un dégât, à la limite. Ouais, à la limite, elle peut se prendre un dégât, c'est pas grave. Bon, allez, c'est bon. Allez, viens. Allez, viens, bitch ou ma bitch. Allez, tiens, bim! C'est ça, là, la puissance, là. Voilà, là, voilà la puissance. Ah, il l'a bien senti passer, je crois, là. Comme ça, moi, ce que je fais, hop, je vais direct là avec Luigi. Allez, c'est parti. Allez, on va sauver l'âme de Mario. Non, bah surtout, non. N'attaque pas. N'attaque pas, imbécile. N'attaque pas, imbécile. En FPS, je sais pas si ça aurait vraiment donné quelque chose de bien, hein, honnêtement. Attention. Ah, ça va. Moitié moins de dégâts. Le seul genre qui ressemble à ce que tu cherches, Réal, c'est plus un dungeon crawler. Oui, exact, c'est bien vu, ça. C'est bien vu, ça, Molex. Ah, nickel. Oh, putain, il y a peut-être moyen... Ah, il y a peut-être moyen de bien avancer, là. Allez, hop, bitch. Bien, bitch, ma bitch. Hop, comme ça, toi, tu vas là. Et tu peux aller directement ici. Voilà. Nickel. Bon, bah, de toute façon, on va laisser le tour de l'ennemi, hein. Alors, à voir si le fait que Mario soit inconscient va jouer sur ma partie initiale. Enfin, là, le bonus de fin. J'ai envie de voir. Hop, allez, bitch ou ma bitch. Un tactique à la première personne. Ah non, bien. Voilà, donc on n'aura pas parfait. Ah, on n'aura pas parfait. Je veux recommencer la bataille. Ah, dommage. Bon, je pense qu'on pourra refaire les niveaux. Enfin, j'espère. Bon, après, je pense qu'il n'y a pas de succès, il n'y a pas de trophée, donc on s'en fout. Hein, mais bon, on va dire par principe. Juste par principe. Lui qui fuit le versus. Hein. Bah, c'était le but, hein, d'ailleurs. GG quand même. Ouais. Bah, au moins, vous voyez que, voilà, si on gère très mal le... Si on gère très très mal... on va dire, la première partie, bah la deuxième partie, elle peut être fatale. Voilà. Fatal bazooka. Alors, c'est tout ce qu'il y a. Attends, il y a un truc là. Ah oui, c'est un niveau secret, ça. Bien sûr que Mario est inconscient, il partage le jeu avec la... C'est la part de bras. Ah, l'enfoiré. Et je suis censé faire quoi? Ah oui, d'accord, oui, c'est bon, j'ai compris. Dépêche-toi. Ah, Dépêche-toi. Ah, c'était chaud. Et j'ai gagné quoi? Une nouvelle arme.
Pour Luigi. Eh bien. Ça me donne envie de m'acheter une Switch. Bah surtout que là c'est vraiment de la bonne exclue. Hein. Là tu sais que ce genre de jeu tu l'auras pas ailleurs. Bon, monde 8. Il faut vraiment éviter l'exploitation de licences à la Ubi. C'est vrai. C'est vrai. Monde 8. Enfin 1-8. Oui! Oui! Voyage mystique, tu as trouvé une nouvelle bande-son. Yeah! Yaha! Hey, on se casse les pigeons. Alors. Bon, après, vous voyez, c'est répétitif. Hein, c'est toujours la même chose après, dans le principe. Hein. Alors. Donc, il y en a deux ici. Il y en a deux là. Et il y en a un ici. Très proche. Hein. Très proche. Ils sont tous très proches. Donc là, à mon avis... ce qu'il va falloir faire... C'est... faire ça. Ouais. On peut essayer. Here we go! Donc là, faut qu'elle se mette le bouclier parce qu'elle va en prendre plein la gueule. Ça, c'est sûr. Hein. Elle va s'en prendre plein le... Bah, plein le fion. Voilà, hein. Disons, appelons un chat. Hein. Ah oui, par contre, j'ai pas vu. Ils peuvent tirer... Mobilité 6 cases. Ah, mais après, je vois pas jusqu'où ils peuvent tirer. Ah, je peux pas voir. En fait, j'aurais bien aimé faire une tactique. C'est genre, par exemple, tu vois, me mettre là et attaquer, en fait. Ce que je peux faire, hein. Ce que je peux faire, mais après... Alors, soit je le vise lui, soit je lui tue lui directement. Ce que je vais m'empresser de faire. Voilà. Je pense qu'il faut faire ça. Il faut les tuer direct. Je vais mettre mon super power. Alors Mario par contre, bah lui il est un peu emmerdé parce que bah du coup il peut pas passer. Enfin il peut pas aller ailleurs donc. Donc voilà, encore une fois Mario. Et tiens si je me mets là, j'arrive à se mettre là. Ah je peux le viser d'en haut. D'accord, c'est très bizarre. Oh ah c'est énorme. Oh c'est énorme. Ah oh, c'est exceptionnel. Ah oh, c'est énormissime. Alors je sais pas si vous avez vu ce que je viens de voir, mais c'est énormissime. Mais c'est incroyable. Ah c'est incroyable. Oh merde, il peut m'avoir d'aussi loin. D'accord. Bon c'est pas grave. C'est exceptionnel ce qui vient de se passer. C'est exceptionnel. Alors je sais pas si vous avez compris. Donc, je vous explique un petit peu ce qui vient de se passer, ce qui vient de se produire. Bon, là, par contre, Luigi qui se met ici, c'est une très mauvaise idée hein, que j'ai eue. Parce que là, du coup, il va s'en prendre plein la gueule. Voilà. Même là, je pense. Ah, putain. Bon, j'ai très mal géré. Voilà, une fois de plus. Hein. Mario qui se met ici, qui ne sert strictement à rien. Voilà, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Il ne sert à rien, comme d'habitude. Bon, vous avez compris, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un rebond avec Mario, donc avec une de mes armes, et au moment du rebond, comme l'acte... Il y a eu l'activation de la capacité spéciale de Luigi, bah, ça, il a tiré en l'air. C'est magnifique, ce jeu est incroyable. Ah, mais c'est intéressant, dis donc, ici, tout de suite, là. Surtout que là, je peux faire ça. Je peux faire ça et je peux peut-être me mettre ici. Ah, je peux peut-être me mettre ici pour l'avoir. Ah merde, je peux pas. Dommage. Quel fromage. Alors, on va juste à la limite peut-être se mettre ici. Ah, on va se mettre ici, on va tirer. Ouais. Ça me va. Pour lui, c'est aussi une croyance d'après Mario Bros dans les égouts avec Luigi, mais sinon, c'est jardinier.
Oui, c'est vrai d'ailleurs. Sinon, on en parle de la blague Sonic Mania repoussée de 2 semaines pour des nouveaux. Je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'épiloguer. Je pense que les choses sont claires maintenant. Comme on dit, clair comme de l'eau de roche. Bon, par contre, là, Peach, elle est à cet endroit, je sais pas à quoi elle sert. Par contre, Luigi... Oh putain. Peut-être moyen. Le risque est trop grand, le risque est beaucoup trop grand. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire là. Là, j'avoue que je sais pas quoi faire du tout. Parce que je peux faire ça puis aller là. Mais l'autre, il peut de toute façon prendre le tuyau et me rejoindre. Ah oui, surtout que lui, il est juste à côté. Donc très mauvaise idée de se mettre là. Et si je me mets là, il peut m'avoir quand même. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Putain, je sais pas quoi faire. Pourquoi je me suis mis là? Putain, pourquoi je me suis mis là? Pourquoi? Je sais pas pourquoi je me suis mis là. Ou bien... Je vais me mettre ici. Je vais tenter l'approche frontale. Pour le déstabiliser. Allez, tiens la critique. Allez, tiens, bim là! Voilà, ça c'est bon ça, parfait. Et donc mon petit Luigi, qui lui va pouvoir attaquer de là parce qu'il est à 100%. Allez mon petit Luigi, venge-toi. Bim, tiens, ça c'est bon ça, putain la chance. La chance, ah. Et là du coup, je peux me mettre ici et me protéger. Oh que c'est bon. On a eu du bol. Là on a eu un bol de Tarba, on peut le dire. C'était assez violent. Allez, un petit rebond. Dommage. Mais c'était tellement bien joué. C'était tellement bien joué, putain. Ah, là, vous voyez, ça, c'est le genre de truc qui est forcément hyper gratifiant. Parce que tu te dis, ça, il y a quelque chose que là, tu viens de réussir. Et là, à la limite, ce qu'on va faire, c'est que je vais me mettre là. Ah non, encore mieux. Je me mets derrière lui. Et du coup, je le bute. Voilà. Allez, salut mon cochon. Hasta la vista, baby. Et en plus, un petit coup critique. Oh, bien. Bien. C'était pas facile, hein, mais on a eu la chance avec nous, là. Il me faut les pièces. Il y a des pièces qui sont tombées, là. Voilà. Merci. Yahoo! Mario saute qu'il veut. Mario, en plus de se promener dans les tuyaux, il déroule le sien. Luigi, à l'expulsator, ça compense. Ceci explique cela. Bon, alors, j'aimerais bien un petit champignon, s'il vous plaît. Je peux pas avoir un champignon. Oh là là, encore un truc à la con. Bon, bah là, de toute façon, ça, c'est sûr que c'est bon. Ouais. Un petit champignon, s'il vous plaît. Mario Adjet. Un petit champignon, s'il vous plaît. Dites-moi qu'il y en a un dans le coin, là. Putain, il n'y a pas de champignon. Pff, oh, Luigi qui a encore 30 points de vie. Comment... Oh non, il y a encore les gros. Putain, il y a encore les gros. Oh là là, il y en a 2 de gros en plus. Oh, t'es sérieux? Ah, puis là, faut vaincre tous les ennemis. D'accord, donc là, faut les buter. On est dans la merde. Voilà, que les choses soient dites, que la messe soit dite. On est vraiment dans le caca. Bon, là, on va tenter des trucs. Hein. Là, je vous le dis, on va tenter des trucs. On va essayer de lui bourrer sa gueule. Mais est-ce que là, du coup, il va attaquer? Calme-toi, Jean-Jésus.
Ah, je peux me déplacer, c'est vrai. C'est bien, c'est bon, c'est bien. C'est bien. Calme-toi, Jean-Léon. Les musiques, ça donne quoi? Bah, je pense que tu les entends. Elles sont bonnes. On va refaire ça. Ah, il va peut-être vouloir Mario. Ah oui, alors attends, Mario, casse-toi. Casse-toi, Mario. Tu vas mourir après. Voilà. Casse-toi. Allez, vas-y, tue-le. Oh yeah. Doucement. Yes, nickel. Parfait, le critique, le rebond, yes. C'est parfait, on est bon, on est bon, on est bon Jean-Léon, on est bon. Ça existe vraiment Jean-Jésus? J'espère pas. Après les gens font ce qu'ils veulent, mais... Mais j'ai peur, quoi, quand on entend ça, forcément. Oh, en l'air. Oui. Oh oui, c'est magnifique. C'est magnifique. Ce jeu est exceptionnel. Ah mais il est excellent, il est excellent, il est incroyable, franchement. C'est un truc de malade, hein. Là, du coup, je peux essayer de le buter, lui. Avec un peu de chance, il y a peut-être le rebond. Ah, tant pis. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est, là, franchement, là, vous voyez un petit peu, j'ai envie de dire, toute l'intensité du jeu. Et c'est là où on se dit... Et c'est là où je me dis vraiment... La force du jeu, c'est qu'il arrive, pour moi, à mon sens, à... Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais il arrive à être suffisamment intuitif et accessible tout en proposant des idées de gameplay assez travaillées. Je trouve ça très fort. Je trouve ça très très fort. Tiens, mange. Bon. Ah, j'ai mal fait mon truc. Là, j'ai très mal fait mon truc. Parce que là, il va vouloir bouger, il va aussi agir. Bon, tant pis, là, c'est la princess bitch. Non, pas Luigi. Non. Luigi n'est pas mort. C'est bon. Luigi, reste avec nous. Ouais, elle, on s'en bat les couilles. Vas-y, elle, on s'en fout. Bon, lui, bon, Mario, par contre, là... adios, amigos. Non, Luigi! Ah, Luigi est mort! Luigi est mort, putain! Y'a un effet de zone, enfoiré, va! Enfoiré, salaud de Saluste! Putain! Aïe, 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 aïe! The Deception! Allez, tu vas mourir! Putain, Luigi est mort, donc déjà on n'aura pas le perfect. Me revoilà alors, comment il s'en sort, bien ou mal? Bah écoute, ça, pour l'instant ça va. Je m'en sors plutôt pas mal. Même si là on sent que le pic de difficulté commence à arriver, hein, petit à petit. Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié d'enregistrer ma partie. C'est sympa, c'est bien, c'est d'y penser maintenant. Alors, c'est normal, vous allez avoir un petit écran noir. Le temps d'un instant. J'ai oublié d'enregistrer ma partie. Quel dommage. Parce qu'en fait, je voulais faire une capture. Vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Je voulais faire en fait une petite capture pour le jeu. Parce que apparemment, je sais pas si on pourra recommencer les niveaux, donc j'ai un doute. Si on peut recommencer les niveaux, ça sera très bien, mais je suis pas certain de ce que j'avance.
Donc voilà, j'ai raté 1h30 de, de capture vidéo. Bien joué, bravo du con, ça c'est bien joué. Il y a un mode histoire, oui, c'est ce que nous sommes en train de faire. Alors, Mario, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Mario! Bah, bien sûr, tu peux pas rebondir sur Luigi! Mario, t'as combien de vie? Ouais, c'est bon. Allez, on y va. Hop, allez, casse-toi. Allez, tiens, bim, le critique. C'était peut-être avant qu'il fallait le faire, hein. Mais bon, je ne t'en veux pas. Bien le bonsoir, Bibi, ça faisait longtemps. Salut, Papa Gali, bonjour à toi. Enfin, bonsoir à toi. D'ailleurs. Allez, vas-y Mario. Oh, le décor, malheureusement. Ah bien. On va pouvoir se mettre là. Allez Peach! Wouhou! C'est ce que disent les filles qui enlèvent le cibar de Bibi. Il en manque une. Je t'emmerde. Mais je te merde, comme on dit. Ah, je le bute pas complètement. Tant pis. Bam! Eh tiens. Voilà, meurs dans d'atroces souffrances. Bon, bah c'est bien, mais j'ai perdu Luigi. Ah oh là là, pauvre Luigi. Pauvre Luigi. Faudra d'ailleurs que je vois si vous... Alors je sais pas si vous le savez. Si vous le savez, n'hésitez pas à me l'indiquer. C'est... Putain, c'est seulement maintenant le champignon. Attends, ça veut dire qu'il y a un autre combat qui suit après ? Il y a un autre combat qui suit après? Bah oui, évidemment. C'était pas déjà compliqué comme ça? C'est pas dans le bon sens, hein. Bah oui, c'est pas vraiment dans le bon sens. Bah je veux bien le prendre, mais j'aurai juste que les pièces, quoi. Bah oui. Oui, donc comme je disais, n'hésitez pas à me dire si on pourra refaire les niveaux ou si vraiment on pourra pas, quoi. Comme ça, ça me permet de voir s'il faut que je me... Ah, voilà. S'il faut que je me dise que je dois préparer de la capture à côté ou pas. 5 minutes et clé ou peut rien, salut à toi. Eh ouais, Samy, il est là. Ouh, Samy! Bon. Alors, à mon avis, peut-être que ça vient de là. On va essayer. Alors là, on va où? Ah, un coffre. Bon, ouais, pourquoi pas. On t'a déjà répondu. Ah, mais j'ai pas vu. Ouais, désolé. Je n'ai point vu. Mes excuses. Mes excuses. C'est oui. D'accord. Bon. On va, du coup, j'ai capturé comme ça dans le vent, mais bon, c'est pas grave. It's not grave. Donc merci pour la réponse, les gens. Et des bisous. C'est pas le bon sens, là. Donc ça peut être que comme ça. Voilà. Partie sauvegardée. Laisse-le découvrir dans son coin, là. Bibi fait Life is Strange, s'il te plaît. Ah oui, Life is Strange. Bah ouais. C'est pas comme s'il y avait déjà des millions de jeux qui sortaient cette année. Vaincre 4 ennemis. Oh là là. Ah, y'a un chomp. Oui, on voit que tu nous as pas vu sans tes lunettes. C'est ça. Bon, préparation de la bataille. T'es sérieux? Le gros Yijolin, là? Putain, le gros Yijolin. Ok. Ah, d'accord. Vaincre les 4 ennemis, en fait, c'est ça va être des gros. D'accord. Ok. Ok, pas de problème. Pas de problème. J'aime le challenge. Le challenge est en moi. Alors là, du coup... Donc là, il va falloir... Là, il va falloir ruser.
Voilà, rusé. Qui a le plus de vie? C'est Mario. Donc, dans l'absolu, il faut que ce soit Luigi qui reste en arrière. Pour buter le cochon. Voilà. Voilà, pour l'instant, ça va. On va faire ça. Beach-o-ma-beach. Ouais, d'accord, ok. Donc, elle, quoi qu'il arrive, elle se prend la... Elle se prend la violente dans la gueule, donc c'est très bien. très bien. Est-ce qu'on peut... Ah, on peut le... sonomiser. C'est très bien. Allez, tiens, mange. Un rebond. Oui. Oui. Oh, ouais. Il l'a poussé. Excellent. Oh non, du coup, c'est Luigi. Non, putain, mais non. Putain, pourquoi c'est Luigi qui s'en prend encore plein dans la... Hein? Putain, le pauvre. Oh, le pauvre Luigi, quoi. Non, mais sans déconner. Oh, c'est pas possible, ça. Allez, casse-toi, toi. Casse-toi et meurs dans d'atroces souffrances. Je te venge, Luigi. Ne meurs pas. Il y a trop de jeux, arrêtez ça. Luigi, cette victime. Luigi, la victime. Ah, bah, voilà, non, mais c'est ça. Luigi, la victime. Putain. Allez, chompe. Vas-y, chompe, bouffe. Vas-y, bouffe-le. Allez, bouffe-le, là. Bien. C'est bien, bien fait pour ce gueule. Oui, Tokyo Mirage Session, c'est vrai. Il y a celui-là aussi. Oui, le rebond. Oui. Parfait, nickel. Attention, il y a le gros qui arrive. Non, t'es sérieux? Il y a des ennemis maintenant. Oh, what the fuck. What the fuck. Eh, quoique, il suffirait simplement que je bute les petits. Parce que là, le problème, c'est que si je fais ça, je peux pas revenir en arrière et je me fais poutrer la gueule. Hein, quoique, attends. Problème, c'est que eux, ouais, eux, ils vont m'emmerder parce que... Bon, Luigi, par contre, va-t'en. Voilà. Va-t'en, voilà, va-t'en loin. Ah oui, bien, attends, on va faire ça. C'est bon, il me cible pas, champ. On va faire ça. Tactique. Non, c'est bon, ça va. Le champ n'a rien fait. En fait, ce que je fais, je vais l'attirer. Voilà. Comme ça... Le chomp, il va le sonomiser. Alors, qu'est-ce qui est le mieux à faire ici? Qu'est-ce qui est le mieux à faire ici? Non! Non, putain! Mais non, mais putain! Chut! Ah là 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 là, que c'est gavant! Ah, que c'est gavant, putain. Ouais, tant pis, si tu veux que je fasse. Pas le choix. J'ai merdé. Voilà. J'ai merdé. Bon, je vais essayer de le tuer quand même. Enfin, au moins lui enlever une bonne partie de sa barre de vie. Bah ouais, mais lui, du coup, il peut rien faire. Mais ouais, putain. J'ai tellement mal géré. Donc vous avez compris que si vous avancez, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Arrêtez de vous battre. Allez, bouffe-le! Putain, il est pas loin ce que... Ouais, c'était pas loin. Dommage. Là, du coup, bah c'est Mario, mais c'est pas grave. Mario, pour l'instant, il est résistant. Il s'est tout pris dans la gueule. Ah bah oui, ah oui, c'est vrai qu'il y avait le gros aussi, là. Ah non, c'est les deux qui sont venus, d'accord. Ouais, pas de problème. Pas de problème, hein, pas de problème, hein, pas de problème, hein, pas de problème. Oula, par contre... Par contre, c'est tendu, là. Alors, attendez, on va faire une tactique. Vous allez comprendre ce que je vais faire.
Vous allez comprendre tout de suite ce que je vais faire. Vous devez vous dire, bah tiens, pourquoi tu ne le tues pas? Mais à votre avis, si je le tue, qui Chomp va viser? Eh ouais, donc là ici, la tactique, ça va être tout simplement de revenir ici. Comme ça, je lui fais des dégâts. Voilà, premier dégât. On va faire du coup deuxième dégât. Comme ça, lui, je le fais venir. Voilà, donc lui, il vient là. Donc là, jusque-là, pas de problème. Luigi, alors lui, bah du coup, bah il sert pas à grand-chose. Ah, je peux peut-être l'avoir... Attends, je peux l'avoir d'ici? Putain, je peux l'avoir d'ici. T'es sérieux? Énorme. Par contre, Chomp... Non, c'est bon. Attends, je peux l'avoir vraiment, là, le sang? Je vois un 100%, là. Ouais, je vais le tenter. Allez, Luigi. Donc là, du coup... Oh, yes, putain, je peux le viser, lui. Donc là, on va attendre. Pourquoi? Parce que là, du coup, moi, je repars ici. Et malheureusement, je ne peux pas le viser. Bon, c'est pas grave, mais... Enfin, c'est pas grave, mais en même temps, ouais, ça nique un petit peu toute ma stratégie. Bon. Voilà, c'était une belle stratégie, hein, vraiment, bravo Bibi300, c'était vraiment exceptionnel, hein, en tout point. Voilà, c'était magnifique. Allez, tiens le rebond. Ah bah là, ça m'a sauvé. Oh, nickel. Retour de la strat. Pourquoi? Parce que là, du coup, il s'est avancé. Et comme il s'est suffisamment avancé, bah là, du coup, je peux le buter. Bim. Voilà. Moi, je me mets ici. Hop. Tac. Bam. Voilà. Et là, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je l'attaque. Et là, bim, je le tue. Mon tour est terminé. Chomp attaque. Il va attaquer lui. Il va le buter. Les 4 ennemis seront butés. Et j'aurai gagné ma partie. Yes. Et bah voilà. Nickel, bataille terminée. Voilà, on pouvait pas faire plus parfait. On pouvait pas faire plus parfait que ça. Nickel, Chrome. Eh ben voilà. Eh ben voilà. Bon, dommage pour la première. Non, c'était la deuxième. Ouais, la deuxième, j'ai merdé. Ah, c'est vraiment dommage, ça, par contre. Bon, tant pis. Hein. C'est parce que le problème, c'est que ça donne moins de récompenses. Mais du coup, ben... On a bien géré cette partie-là. Je suis plutôt satisfait. Tu l'as dit, Bouffy. GG. Quel stratège, ce Bibi. T'as eu ça? Je m'étonne moi-même. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, niveau final? Boss? On va regarder. Le roi des bananes. Ah! Il est là aussi, lui. Je vois ce qui se passe ici. Vous voulez garder ses capacités spéciales rien que pour vous? Mais je l'ai vu en premier. Ce petit gars et tous ses pouvoirs sont à moi! Je crois que je vais t'appeler... Oh là, attention. Spony. Oui, si on veut. Tu veux bien m'aider à corriger ces avortons, Spony? Papa sera super impressionné quand il rentrera de vacances. Et toi, Mario, tu dois t'épuiser après tous ces combats. Prends ça, ça te redonnera de l'énergie. Ah, Noël Aminou, c'est un type qui a toujours la banane. Mais non, mange pas! Donkey Kong? Donkey Kong? Ah non. Lapin des cas. Ah, on était pas loin.
vaincre le boss, Hugo Boss. Bon, alors, comment ça se passe pour les combats de boss? Ça, c'est intéressant parce que du coup, je ne sais pas du tout. Alors, 120 points de vie seulement. Ah d'accord, ça commence direct comme ça. Et évidemment, il y a des ennemis. D'accord. Ah, la musique ! Putain, c'est énorme la musique. Je veux le boss qui chante, moi. Déjà que ce perso m'a supporté quand il causait dans Super Mario Sunshine, là ça n'arrange pas. Ça ne s'arrange pas. Alors je me demande c'est si les ennemis vont respawn. Alors est-ce que je fais tout ça pour rien? Ou est-ce que ça sert concrètement à... ou pas? C'est la question que je me pose. Oh bien, la chance. Alors par contre, là, il y a peut-être moyen que je l'ai tout de suite. Non, pas du tout. Donc il faut que je m'avance. Ah, là, je peux l'avoir. Allez, tiens, mange! Mange dans ta gueule! Oh, tu as mal, hein! Hein? D'accord, il se remet de la vie directe. Tout va bien. Tout va bien. Tout est sous contrôle. Vas-y, bouge ton cul et tu vas morfler avec le double coup, double rebond et dans sa gueule. C'était pas loin. Bon, bon là je pouvais pas faire mieux, hein. Double critique, double rebond. On est bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il y a des petites poches ici? À mon avis, il faut aller là. Je sais pas pourquoi, mais mon petit doigt me dit qu'il faut aller là. Parce que tu l'attaques, ça sert à rien. Donc à mon avis, my finger doys se dit que ça doit venir de là. Évidemment, je suis pas assez proche. Putain. On va le mettre là. La musique a l'air cool. Pourquoi on n'a pas eu la BO comme en Angleterre? Bah, tu l'as eu, mais dans le collector. Oh putain, Mario! Oh Mario! Hey Mario! Tu vas bien, Mario? Salaud de Saluste! C'est pas possible! C'est pas possible! Comment a-t-il pu renvoyer Mario vers l'au-delà? Espèce d'enfoiré! Je me demande si c'est pas ça. On va essayer. Salut mon cochon. Ah voilà. Tactique. Eh là, plus de bananes. C'est con, hein. Allez, tiens. Mange dans tes dents. Bim. Le problème, c'est que c'est Mario qui va encore s'en prendre plein la gueule. Les animations, elles sont énormes par contre. Hein. Franchement, y a rien à dire là-dessus. Allez, avec un peu de chance, je vais me mettre juste à côté, il va me prendre moi. Allez, vas-y, prends-moi. Prends-moi, moi. Oh oh. Ouf. Combien de dégâts? Ouais, 50, c'est pas mal. C'est pas mal. Oh, mais en fait, on va... Bon, on va le buter, en fait. Parce que regarde, là, je peux déjà le niquer. Trop simple. À mon avis, il doit y avoir plusieurs phases. Ouais, il y a plusieurs phases. Ah putain, c'est ça. Et Luigi qui dégage. Une fois de plus. Donc, il y a bien plusieurs phases. Ok. La BO, tu l'auras sur YouTube aussi. Ouais, oui, mais je vous l'ai dit en précommandant simplement comme Yooka-Laylee. Ah ouais.
Ce dégât doit puer de la gueule. Bon, alors par contre, du coup, je suis en train de me dire un truc. Là, du coup, ça devient complexe parce que va falloir réfléchir qui va se prendre les dégâts dans la gueule. On est d'accord. On est d'accord, mesdames et messieurs. Il y en a un qui va se prendre forcément plus de dégâts dans la gueule que les autres. Et ça ne sera pas Mario, parce que forcément... Alors, du coup, on va faire venir Peach. Allez, c'est Peach qui va tout se prendre. Oh oui, oh, Peach, elle va tout se prendre. Oh oui. Oh, tu aimes quand Peach, elle se prend tout. Hein. T'as la nuit avec le lapin qui suce la banane. Ouais. Aïe, 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 les rebonds. Ah, les rebonds qui font super mal, par contre. Allez, les ennemis. Bon. Bon, 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 bon. Non, je peux même pas aller là. Oh, mais t'es pas sérieux, putain. Bon, tant pis, de toute façon, elle a encore ce qu'il faut. Hop. Elle va pouvoir attaquer par derrière, évidemment, parce que on ne le dira jamais assez. Il faut attaquer par derrière. Meilleur jeu Switch. On va dire que c'est le plus... comment je pourrais dire ça? C'est le plus... C'est peut-être celui qui fait le plus plaisir à voir. C'est if you know what I mean, comme on dit. Et je pense que ça, c'est vraiment, vraiment super classe. Parce que... c'est un univers déjà où tu vois pas Mario dans ces conditions-là. Déjà d'entrée de jeu. Et je pense que ça, c'est cool. Je pense que ça, c'est vraiment, vraiment cool. Let's go! Oh yeah! Allez, Mario! Ouais, bon, de toute façon, ça revient au même. Ah, quoique, je l'ai mis près du trou. C'est dommage, Mario. Parce que là, du coup, tu vas un peu morfler dans ta gueule. Parce que là, s'il y a encore un rebond, je suis... Bah, je suis dans le caca, hein, je peux dire. Je pense que là, il y a bien... Non ! 2 points de vie ! T'es sérieux ? Putain ! 2 points de vie. Gigalol. Alors, du coup, là... alors, attends. On va d'abord la faire venir ici. Salut ! Au revoir, tes bananes ! Mes bananes ! Par contre, les animations sont folles. Franchement, je trouve les animations vraiment ouf. C'est quoi ça? Mes bananes! C'est où ma banane? À part le Super Mario RPG, les premiers Paper Mario n'a pas eu de vrai jeu à minimum tactique sur une console de salon, bien qu'elle soit hybride, qu'on ait les Alpha Dream sur portable. C'est vrai, c'est vrai. Non mais c'est vrai, hein, et je pense que c'est ça aussi qui peut être, entre guillemets, vraiment, vraiment intéressant. En tout cas, de ce point de vue-là. Je peux le viser d'ici. Ouais, je peux le viser d'ici. Allez, tiens, mange! Alors là, je suis en train de me dire, est-ce que il va prendre ses bananes? Non. Quoique. Non, c'est bon. Donc en fait, c'est juste, elle se prend les dégâts dans la gueule, mais c'est tout. Je vais me mettre ici peut-être pour éviter, ouais. Vas-y. Bim. Parce que là, du coup, il va aller de l'autre côté. Donc, il va falloir le suivre de l'autre côté. Pour, à mon avis, la dernière phase de combat. Donc là, maintenant, il va falloir que je vois... Forcément, le rebond. Donc, c'est là où ça va devenir complexe. Parce que là, je me dis, qui va prendre le dégât? La logique voudrait que ce soit encore Beach ou ma Beach. Elle est où?
Oh putain, t'es sérieux, mais qu'est-ce que tu fous là? Mais qu'est-ce que tu fous là? Putain, mais c'est pas assez... Est-ce que ce monde est sérieux? Bon bah du coup, je suis en train de me dire, est-ce que ce serait pas mieux Mario, quoi? Attends. Attends. Je vais mettre Luigi ici. C'est tendu ce que je fais. Comme ça, hop, je le fais rebondir directos sur le mécanisme. Je jugerai pas les gens sur Dieu, comment ça vous pensez que... Ah oui, non, je l'ai déjà lu. Ma bouffe! Ma bouffe! Je veux ma bouffe! Oh! Ce qui est dommage, c'est que là, les power-up ne marchent pas. Ça, c'est un peu dommage. Allez, tiens, mange. Il s'est tout mangé dans la gueule, le pauvre. Bon, alors, Mario, par contre, là, va falloir que tu fasses gaffe. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, pas maintenant, n'attaque pas maintenant. Non. Ah, oui. Bon. Alors, on va faire reculer ici. On va le faire là. Casse-toi, tu pues. Voilà. Bon, bah, elle, je sais pas ce qu'elle fout, là. À mon avis, je pense que c'est avec le rebond qu'elle a dû être propulsée. Bah, de toute façon, ici. Et là, tu sers à rien, t'es trop loin. Ça sert vraiment. Cible hors de portée, lol. Sans déconner. Et donc là, du coup... Eh bah là, ça y est. Eh bah, c'est bon. On l'a buté. Adieu, mon cher. Ah, il y a le critique quand même. J'ai rien dit, il y a quand même du critique et du rebond. Ah d'accord. C'est comme les chats, tu vois, c'est le chat qui... Non. Bim. Oh putain. C'est n'importe quoi. Le fouet qui dompte la bête et le visage d'Aphrodite elle-même. Ouais, c'est beau. La patte bidée, GG. Messieurs, dames, il est clair que nous devons sauver Spawny des greffes de Bowser Jr. avant qu'il ne détruise à jamais ce qui reste du royaume Champipi. Je propose de nous retirer dans le château de Peach pour réfléchir et élaborer des solutions dans un environnement sécurisé. Au travail, oui, au travail. Ah oui, il y a des tours quand même aussi. Hein. Ça va les mecs, tranquillement. Bon, il n'était pas extrêmement compliqué, ça va encore. Ça va encore. Mais plusieurs phases, donc du coup, faut faire gaffe. Bon, bah nickel. Tu peux maintenant utiliser la machine de la Pancreta pour voyager dans le temps et rejouer à des chapitres que tu as déjà terminés. Eh bien, là voilà donc ma fameuse réponse que vous m'aviez donnée tout à l'heure. Donc je vais pouvoir rejouer les chapitres déjà terminés, améliore tes performances et gagne des tas de trophées d'or. Bien. Rends équipe supérieure la santé de tes héros augmentée. Bien. Nouvelles armes en stock. Bien. Défi jardin antique. Et trouver les 10 challengers crétins. Accomplis les défis pour gagner plus de super pièces. Bien. Ah, et je peux maintenant déplacer les objets. Bien. Hey, ça se débloque petit à petit. Hein. C'est cool, franchement. C'est quand même plutôt cool. Hein. Bon, bah écoutez, il est 22h. Je pense qu'on va pouvoir se laisser là. Avec cette cinématique qui intervient ici. Mais écoutez, pour l'instant, c'est pas mal. Hein. Pour l'instant, c'est pas mal, franchement. Je reconnais que, pour le moment, je suis assez... En fait, ce que j'aime bien, pour le moment, sur le jeu, c'est que il y a plein de bonnes idées. C'est plein de petites bonnes idées, comme ça, de gameplay, qui diversifient le gameplay. En fait, t'as l'impression que, voilà, globalement... Ça va être un gameplay du genre avancer, tirer, foncer sur les lapins et puis basta. Mais en fait, pas du tout. En fait, le gameplay est beaucoup plus travaillé que ça.
Il est beaucoup plus accessible, à la fois accessible pour celui qui n'aime pas spécialement le genre, entre guillemets, comment on appelle ça, du tactical, voilà. Mais surtout, j'ai vraiment l'impression derrière que, enfin, je sais pas, ça matche bien. Le mélange, en tout cas, matche bien. Ça, c'est une évidence. C'est vrai que là-dessus, ça fonctionne vraiment, vraiment très bien. Et, écoutez, pour le moment, en tout cas, pour l'instant, c'est bien parti. Franchement, c'est bien parti. Ça fait partie de ces jeux qui vraiment apportent un souffle d'air frais. Et je pense que ce sont des jeux qui font, entre guillemets, qui sont importants, notamment pour la Switch. J'espère honnêtement que le jeu se vendra bien. Après, on verra sur la durée. Peut-être que le jeu, après, je dirais, oh bah non, finalement, c'est du caca, c'est de la merde. Mais de ce que j'ai vu pour l'instant, ça s'annonce plutôt bien. Voilà, on va le dire comme ça, ça s'annonce plutôt bien. Bon, bah écoutez, mesdames et messieurs, je pense que l'on va se quitter là-dessus. Bah écoutez, merci beaucoup. Merci d'avoir regardé ce live en ma compagnie. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aurez passé un bon petit moment en ma compagnie. Et puis, bah écoutez, on se retrouvera donc très bientôt pour de prochaines aventures, de prochains lives. Faudra qu'on essaye de voir aussi le bibistro. Je sais pas comment on va s'organiser pour le bibistro. Essayer de voir un petit peu ce qu'il est capable de faire ou ce qu'il sera capable de faire. Ou en tout cas, la date surtout, parce que je me demande si cette semaine, ça va être possible. On verra bien. Mais ce qui est sûr, c'est que on se retrouvera. On se retrouvera donc très bientôt. Voilà, voilà. Allez, des bisous, mesdames et messieurs. Merci encore pour ce live. Puis on se retrouvera très bientôt. Voilà, voilà. Allez, ciao tout le monde. Et à la prochaine. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. Au revoir.